Et nous sommes très fiers d'être avec vous ici aujourd'hui pour vous présenter les solutions optimales qui vont répondre à vos différentes demandes. Donc, avant de débuter, je vous présente mon équipe d'experts. Donc, à ma gauche, Marie-Christine Brochu. Bonjour. Simon Lévesque. Bonjour. Ainsi que moi-même, Cynthia Cirousseau. Donc, on va commencer par un petit survol de l'agenda de la présentation. Donc, tout d'abord, on va faire un petit résumé des mandats. Par la suite, on va passer à la présentation des solutions. Et finalement, on va terminer par des recommandations. Pour ce qui est des mandats, vous nous avez demandé de vous suggérer des méthodes pour transférer des actions à votre fille et pour inclure un de vos employés clés dans votre compagnie. Par la suite, vous vouliez aussi des méthodes pour inclure vos enfants qui sont mineurs actuellement dans votre entreprise. Pour continuer, on va revoir la situation fiscale de votre entreprise. Et finalement, on va aussi revoir votre situation fiscale personnelle. Donc, pour débuter, pour ce qui est du transfert des actions, je laisse la parole à mes deux collègues. Alors, bonjour. Alors, pour ce qui est du transfert de l'entreprise dans l'immédiat ou dans le futur, évidemment, on n'avait pas l'information à savoir dans quelle proportion vous vouliez vendre votre entreprise à votre pays majeur. Alors, voici l'hypothèse qu'on pose et qu'on vous recommande. Comme vous avez trois enfants, donc deux mineurs, vous ne savez pas encore s'ils veulent s'impliquer dans l'entreprise, je vous propose de ne pas vendre plus de 30 % à votre fille majeure afin de respecter l'équité de famille, soit conserver 60 % pour vous pour pouvoir distribuer 30 % aux deux enfants s'ils veulent s'impliquer. Et comme M. Brodeur voulait s'impliquer et que c'est votre employé clé, on vous suggère de lui vendre 10 % des parts de l'entreprise. Donc, avec ce que Simon vous a expliqué là, pour le partage, dans le fond, des pourcentages des actions ordinaires, moi, je vais poursuivre en vous disant comment on va procéder pour faire le transfert de ces actions-là. Pour ce qui est de M. Brodeur, étant donné que c'est un de vos employés, c'est pas un de vos enfants, on sait, vous, que c'est vraiment important les valeurs familiales. C'est une entreprise de deuxième génération. Éventuellement, ça pourrait être une entreprise de troisième génération. Donc, on se dit, M. Brodeur, oui, on l'aime bien, on va vouloir le récompenser plus tard avec sa rémunération, mais lui, directement, on ne lui fait pas de cadeau. Donc, on lui fait une vente directe là, de 10 % des actions ordinaires que lui-même va devoir financer. Donc, ce que ça produit, dans le fond, pour vous, un gain capital de 205 000 qui va être complètement exonéré par la déduction pour gain capital. Donc, on voit, là, dans le fond, ce que ça vous procure là, comme liquidité directement. En fait, pour l'utilisation de la déduction pour gain capital, c'est bien important, il y a des critères qu'il faut respecter. Dans le fond, on les voit ici, le critère qui nous posait peut-être un peu problème, c'est le 90 % de la JVM des actifs qui doit être utilisé, là, dans le fond, pour l'exploitation active au moment de la vente. Dans le fond, utilisé dans l'exploitation active de l'entreprise. Comme nous, on avait seulement les états financiers à NCECF, on n'avait pas la juste valeur des actifs qui était présentée aux états financiers, on a supposé là, que ce critère-là était respecté. Notamment parce qu'on voyait que le terrain qui figure au coût a probablement augmenté de valeur depuis qu'il y a eu le transfert d'entreprise de votre père à vous-même. Ensuite, pour ce qui était des frais reportés, ça non plus, on n'était pas trop sûr, mais ce n'était pas un montant qui était considérable. Et on voyait aussi qu'il y avait beaucoup de placements temporaires, là, mais en considérant tout ça là, à la valeur comptable, le 90 % était respecté. Si ça venait à ne pas être respecté, donc on ne pourrait pas utiliser la déduction pour gain capital, ce qu'on vous suggère, c'est de retirer les placements temporaires. En fait, purifier la compagnie, on va payer les comptes fournisseurs, payer les dettes et aussi une autre possibilité, ça serait avec les liquidités qu'on va retirer des placements, de réduire le capital versé de vos actions là, qui était de 55 000 et ça se fait sans impact fiscal. Pour ce qui est du transfert à votre fille, là, on a regardé un petit peu plus d'options en fait sur ce qui se ferait à vous. Premièrement, bien, dans le fond, pour les deux premières options, je vais passer quand même rapidement parce que ce n'est pas les options qu'on a retenues, mais c'était quand même important là, de vous montrer là, qu'on avait pensé à ça. Puis ça va être la troisième option, en fait, qu'on a retenue. Première option, on aurait pu créer une société de gestion pour Charlotte et lui transférer les actions, dans le fond, à sa compagnie de gestion. Il faut faire attention, il y a un article dans la loi de l'impôt qui peut s'appliquer dans ce cas-là, 84.1. En fait, ça, c'est une mesure qui a été mise en place, là, justement, pour éviter des transactions du genre, que ça soit trop avantageux, en fait, de faire la transaction pour le particulier. Donc, ce qui aurait résulté de ça, en plus que Robert, lui, avait eu les actions de son père avait réclamé la déduction pour gain capital, donc lui, son PBR est modifié.
Donc, avec tout ça, on avait un gros dividende réputé. C'est pas ça qu'on veut. Pas de gain en capital, pas de possibilité d'utiliser la déduction pour gain en capital. Donc, c'était pas l'option vraiment la plus favorable. Ce qu'on avait comme option 2, en fait, c'est simplement un remaniement de capital. Donc, les actions qui vous restent, dans le fond, on les échange en entier à 100% contre une autre catégorie d'actions. Ça peut se faire très facilement. Votre fille souscrit aux actions ordinaires dans ce cas-là. Par contre, ça se fait, il n'y a pas de gain en capital qui est réalisé là, quand on fait un remaniement de capital, il n'y a pas d'impact fiscaux. Donc, il n'y avait pas de possibilité aussi pour vous d'utiliser la déduction pour gain en capital. Donc, on l'a éliminé, ce n'était pas ce qui était le plus avantageux. Ce qu'on retient finalement, vous nous avez dit que vous seriez prêt à prêter de l'argent à votre fille. Actuellement, elle n'a pas les liquidités. On sait qu'elle s'implique beaucoup dans l'entreprise, donc éventuellement, retirer un salaire peut avoir des fonds pour rembourser ce prêt-là. Donc, on lui fait une vente directe des actions en échange d'un prêt que vous lui fournissez. Donc, ce qu'on voit ici, ça génère un gain en capital. On utilise la déduction pour gain en capital qui nous restait là, à la suite du calcul de tout à l'heure. C'est bien important, on a considéré un montant de 800 000 pour la déduction pour gain en capital. C'est le nouveau montant là, qui est accordé, dans le fond, depuis début 2014. Avant, c'était 750 000. Donc, on l'a considéré ici. Et on voit ici là, les liquidités que ça procure là, après que votre fille vous ait remboursé le prêt totalement. Ce qui va être important aussi, pour le prêt, dans le fond, à votre fille, modalité de remboursement raisonnable, bien important, vous allez pouvoir lui charger des intérêts au taux prescrit. Pour elle, c'est vraiment avantageux, dans le fond, parce qu'elle va payer un taux d'intérêt qui est moindre que si elle avait emprunté là, dans une institution financière. Ça va être bien important qu'elle vous l'épaisse dans l'année d'imposition ou dans les 30 jours qui la suivent. Donc, bien important pour que ça soit respecté. Pour Charlotte, une déduction des intérêts, parce que c'est pour acquérir des actions d'entreprise, donc éventuellement gagner un revenu de dividende, etc. Et pour, dans le fond, pour vous-même, imposition des intérêts que vous allez avoir reçus. Donc, après la première étape, pour le transfert à votre fille et votre employé clé, c'est ce à quoi ça va ressembler. On a aussi regardé la possibilité, dans le fond, dans le futur, de pouvoir là, intégrer éventuellement là, vos enfants mineurs ainsi que votre conjoint pour faire du fractionnement de revenus. On sait que votre conjointe actuellement ne gagne aucun revenu. Elle ne prévoit pas retourner sur le marché du travail avant l'entrée au secondaire de votre plus jeune fille, je crois. Donc, en fait, notre objectif, c'est de transférer l'entreprise à l'autre génération et faire du fractionnement de revenus éventuellement avec les enfants mineurs. C'est pas possible de le faire actuellement parce que c'est vraiment pas avantageux. On verse pas de dividendes aux enfants mineurs, on fait rien avec ça parce qu'ils vont être imposés au plus gros taux puis ça serait carrément inutile. Donc, ce qu'on va faire, étape 1, on crée une fiducie non testamentaire discrétionnaire. Donc ça, pour créer une fiducie, il y a vraiment des aspects légaux à respecter pour constituer la fiducie. Ça va être important de le faire pour pas que ça soit contesté par l'ARC. Ensuite, comme fiduciaire, on va désigner vous-même, votre conjoint, ainsi que quelqu'un qui est neutre. Ça peut être un comptable, un avocat, un notaire. Dans le fond, ce qu'on veut ici, là, c'est de pouvoir avoir une règle à majorité là, en cas de problème quant aux décisions. Donc, vous allez pouvoir vraiment gérer, dans le fond, la fiducie avec votre conjoint et quelqu'un d'autre. Et comme bénéficiaire, c'est ça, on a mis toute la famille. Donc, actuellement, comme j'ai mentionné, on n'attribue pas de revenus aux enfants mineurs. Ce n'est pas avantageux. Votre conjoint, par contre, on peut le faire d'ici à ce qu'elle revienne là, sur le marché du travail. Là. Ça serait plus avantageux qu'elle s'impose à un taux moindre que le vôtre, qui est déjà au taux maximum. Ensuite, étape 2, un remaniement de capital, le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais là, on l'applique aussi pour vos actions. En fait, vous les échangez au complet, les actions qui vous restent, ont des actions privilégiées. Bien important d'avoir les caractéristiques qu'on a ici. Rachat au gré du détenteur, dividende non cumulatif, ton votant non participant. Toutes les caractéristiques fiscales de vos actions sont conservées. Et lors du rachat ultérieur, en fait, par la compagnie, vous, ce que vous allez avoir, c'est un dividende réputé. Mais comme c'est au gré, dans ton gré du détenteur, à votre gré, ça survient quand vous le désirez. Donc, ensuite, dernière étape, souscription aux actions ordinaires par la fiducie. Donc, on voit ici, là, ce que ça donne après toute la réorganisation, ce que ça pourrait avoir l'air. Là. Donc, ça fait beaucoup d'étapes à faire, mais on voit là, qu'au bout de la ligne, c'est pas quelque chose qui est super compliqué. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Cynthia pour poursuivre. Donc, pour ma part, j'ai revu un peu la situation fiscale de votre entreprise. Il y avait des petites choses qui clochaient, donc c'est important de remédier à ça.
Premièrement, on sait que l'ARC a fait des modifications à votre déclaration. Il y avait eu des erreurs. Vous vous demandiez si le provincial allait faire des redressements aussi. Oui, les deux entités se parlent, donc ça va probablement se rendre au provincial. Ce qu'on vous suggère suite à ça, c'est de faire une divulgation volontaire pour les éléments que vous savez qu'il y a eu des erreurs. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va empêcher d'avoir des pénalités. Au moins, les pénalités seront effacées, voire des intérêts sur ce qui n'était pas correct, mais les pénalités au moins ne seront pas là. Donc, c'est intéressant pour ça. Et les intérêts que vous aurez à payer et les pénalités, s'il y en a, ne seront pas déductibles. Aussi, il y avait plusieurs ajustements à apporter pour votre déclaration de 2013. On n'avait pas encore d'informations à ce sujet-là, si elle était pas encore, si elle était produite ou non. Si elle n'est pas encore produite, il va falloir se dépêcher parce que les délais sont serrés. C'est 6 mois après la fin de l'exercice, donc ça serait vraiment très serré. Si elle est produite, eh bien, étant donné qu'il n'y a pas encore eu d'avis de cotisation, mais ça serait bien de faire amender la déclaration pour y faire les modifications qu'on va vous suggérer. Donc, tout d'abord, pour les immobilisations, on a parti de votre état des résultats. C'est sûr que pour ce qui est de l'amortissement comptable, c'est pas le même amortissement qu'on peut prendre en fait au fiscal. C'est la DPA qu'on peut prendre au fiscal. Donc, on n'avait pas, par exemple, vos FNAC, la fraction de l'amorti du coût à capital au début de l'exercice. Donc, on ne pouvait pas toutes les calculer. On a calculé ça pour vos immobilisations qui ont été acquises dans l'année. Donc, pour les bâtiments, ça va être la catégorie 1, que les bâtiments vont être classés dedans, qui vont être amortis autour de 4 % au solde dégressif. On sait qu'il y a eu des modifications qui ont été faites. Ces modifications-là vont être amorties étant donné qu'elles sont ajoutées au bâtiment. Et qu'il y a eu une subvention qui a été reçue pour ça. Donc, on va réduire la FNAC de la subvention. Et c'est ce montant-là qu'on va pouvoir amortir. Par la suite, pour les équipements de production, ils sont classés dans la catégorie 29. Ils sont amortis linéairement à 50 % avec une règle de demi-taux. Donc, pour l'équipement que vous avez acheté, 300 000 $, ça fait un amortissement de 75 000 $ au fiscal. Et pour les équipements de bureau, on ne savait pas encore là c'était quoi votre fraction non amortie du coût en capital, mais on voulait vous mentionner qu'il va falloir les classer dans la catégorie 8, qui permet un amortissement de 20 % sur le solde dégressif. Pour ce qui est de vos frais de repas et de représentation, on a jeté un petit coup d'œil à ça. On sait que vous aviez fait un ajustement vous-même là, pour tenir compte de la portion de 50 % qui n'est pas déductible. Toutefois, il y avait encore des petites erreurs qui s'étaient glissées. Donc, pour ce qui est du souper de Noël que vous avez payé pour tous vos employés, vous l'avez déduit seulement à 50 %, mais c'est déductible à 100 % étant donné que c'est offert à l'ensemble de vos employés. On a le droit de faire 6 événements comme ça par année offerts à tous les employés. Dans ce cas-là, c'est déductible à 100 %. Pour ce qui est de vos repas personnels, c'est plutôt une attribution de revenus qu'il va falloir qu'il soit ajouté à vos revenus à vous et c'est pas déductible pour l'entreprise. Pour ce qui est des repas avec les clients, les billets de saison, ça, vous étiez correct, c'est vraiment 50 % déductible. Donc, la déduction qui est admissible, c'est de 15 600 environ au lieu de celle réclamée de 13 650. Donc, vous êtes gagnant pour une déduction additionnelle de 2 038 $. Par la suite, on sait que vous faites vous avez des projets de recherche pour développer des nouveaux produits. Et ça, c'est le fun pour vous, étant donné que vous allez être admissible aux dépenses de recherche et développement, oui, et au crédit d'impôt à l'investissement. Donc, qu'est-ce qui est admissible à ça, en fait? On sait que vous avez payé des salaires pour 4 employés qui travaillent à la recherche. C'est vraiment à la recherche qui est déductible. Si on travaille dans d'autres choses, c'est pas admissible à ça. Et les dépenses en capital qui sont liées à la recherche également aussi sont admissibles à ces dépenses-là et au crédit. Donc, les dépenses qui se qualifient comme recherche et développement peuvent être déduites cette année et dans les années suivantes si vous le préférez. Donc, il y a un choix de pouvoir les déduire quand on les veut. Et aussi, ça permet d'être admissible au crédit à l'investissement. Étant donné que votre entreprise est une SPCC, le taux du crédit est de 35 % pour le premier 3 millions de dépenses. Le plafond de 3 millions réduit lorsque le revenu imposable de l'entreprise se situe entre 500 000 et 800 000, mais étant donné que ce n'est pas votre cas, on va vraiment y aller avec un taux de 35 %. Donc, pour ce qui est de votre dépense de salaire, on va ajouter au revenu de l'année suivante le crédit que vous allez recevoir et on va réduire la FNAC de vos biens là, du crédit.
crédit reçu. Donc, pour votre revenu imposable de votre société, on ne peut pas le calculer étant donné qu'on n'a pas toutes les données, mais on sait qu'il y a des modifications importantes à ajouter. Pour ce qui est du choix, soit de fournir un véhicule à M. Brodeur, votre employé, ou lui verser des allocations, voici ce que ça vous coûte selon les deux choix. Alors, si vous fournissez une automobile à votre employé, évidemment, vous allez payer les dépenses à y afférentes et vous allez économiser de l'impôt. Alors, le coût net est de 9 354. Tandis que si vous versez une allocation, celle-ci aussi déductible, votre coût va être de 8 748. Donc, pour l'entreprise, c'est mieux de verser une allocation. Cependant, pour ce qui est de M. Brodeur, évidemment, si vous lui fournissez un véhicule, il devra s'imposer sur un avantage imposable. Deux avantages, finalement, soit l'avantage pour droit d'usage et l'avantage pour les frais de fonctionnement. Donc, celui-ci devra s'imposer sur un montant et payer 1650 d'impôts. Cependant, si vous versez une allocation qui n'est pas fonction du kilométrage, en fait, celle-ci est imposable à 100%, payer de l'impôt sur ce montant. Puis, évidemment, il va pouvoir déduire une portion pour ce qui est affaire de ses dépenses pour un coût net de 13 484. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, il y a une autre façon là, de que ce soit plus avantageux pour les deux parties. On doit verser une allocation en fonction du kilométrage raisonnable. Alors, le maximum qui est permis pour les employés, pour l'employeur qui est déductible, c'est 54 sous du premier 5 000 km et 48 sous pour les suivants. Donc, un coût net de 7 500 pour l'entreprise, qui est inférieur aux deux autres options que vous m'avez demandé d'analyser. Et pour ce qui est de M. Brodeur, c'est non imposable puisque ses fonctions du kilométrage est raisonnable. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Pour ce qui est de la rémunération de M. Brodeur, évidemment, un salaire, c'est bien, mais si vous voulez y en verser un peu plus, c'est possible de faire participer à l'actionnariat. Donc, on parlait de vente d'actions. Possible aussi d'y aller avec option d'achat d'actions. Mais comme on vous propose déjà d'y en vendre, peut-être pas faire celle-là tout de suite. Il va y avoir des revenus de dividendes. Aussi, c'est possible de lui verser un boni. C'est aussi possible de lui verser des cadeaux non monétaires pour ses années de service, par exemple. 20 ans de service, 15, 25, maximum de 500 $ par année. Bien important que ce ne soit pas monétaire, sinon ça serait imposable dans ses mains. On peut aussi cotiser à des régimes de retraite, un RPDV ou un RPA, et lui verser des primes, payer ses primes d'assurance pour assurance salaire, santé et vie. On privilégie assurance salaire et santé puisque c'est non imposable dans ses mains, non un avantage imposable, sauf au Québec pour ce qui est des primes de l'assurance santé qui est imposable. Pour ce qui est de votre situation personnelle, on sait que vous avez un immeuble à revenus avec votre conjointe. Attention, il y a des règles d'attribution qui s'appliquent étant donné que c'est vous qui avez payé entièrement l'immeuble à revenus. Donc, même si vous séparez les revenus entre vous deux, là, les revenus vous reviennent complètement à vous étant donné que c'est du revenu de bien, donc il vous est attribué. Pour éviter l'attribution de revenus, ce qu'on vous conseille, faites un prêt correspondant à la moitié du montant que vous avez payé, donc 220 000 à votre femme, avec des modalités de remboursement raisonnables, des intérêts qui sont payés par votre femme au taux prescrit. Et donc, elle va pouvoir déduire les intérêts parce qu'elle gagne du revenu avec, en ayant l'immeuble locatif. Donc, comme ça, on va éviter les règles d'attribution. Vous allez vraiment pouvoir séparer le revenu en deux. J'ai fait la revue là, des différentes dépenses que vous avez réclamées. En gros, l'entretien, c'est correct parce qu'il n'y a pas le potentiel. Les frais de déplacement pour percevoir les chèques de location, c'est pas admissible étant donné que vous avez un seul immeuble. Et la dépréciation pour amortissement, en fait, là, attention de ne pas créer de perte avec ça. Puis vous l'aviez pris sur le terrain aussi, là, c'est vraiment seulement sur lui. Alors, pour ce qui est du dividende des sociétés publiques, vous savez, en fait, il y a des règles d'attribution qui s'appliquent pour les revenus de dividendes et non sur les gains en capital. Alors, évidemment, vous devez vous imposer là, sur les revenus de dividendes de vos enfants. Donc, on a sorti quelques solutions là, afin d'éviter ces règles d'attribution-là. Pour ce qui est de la vente de bouteilles de vin, évidemment, vous allez devoir vous imposer sur les revenus de cette vente. Donc, il faudrait savoir quelles sont vos intentions. Donc, ça pourrait être soit un gain en capital ou un revenu d'entreprise imposable à 100% qui est moins payant. Ça va dépendre de vos intentions. Pour ce qui est des autres points, évidemment, on vous a sorti plusieurs points à ne pas négliger. Vous avez droit à plusieurs crédits d'impôt dans votre déclaration. Soit frais de scolarité des enfants transférables,
Parfait. Et attention à l'IMR. On est disponible si vous avez des questions. Pour commencer, vous avez parlé de l'article 84.1 au niveau de la fille. Concernant l'employé clé, est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un problème avec ça aussi? Non. En fait, c'est avec une personne. En fait, il faut vendre à une société, premièrement. Mais si lui décide de se financer avec une société. C'est seulement en cas de lien de dépendance, en fait. Parce il n'y a pas de lien de dépendance entre un employé clé et le actionnaire majoritaire. D'accord. Quand on parlait des dépenses d'entretien, donc on se rappelle, il y avait des fenêtres là-dedans, il y avait tout ça, vous avez dit, là, ça passait en dépenses particulières. Parce que ça n'augmente pas le potentiel du bâtiment, en fait. Ça n'amène pas quelque chose de nouveau, c'est juste de l'entretien. Il faut les changer, les fenêtres, mais ça n'apporte rien de mieux à la bâtisse. La bâtisse ne sera pas plus fonctionnelle à cause de ça. C'est juste un bien nécessaire. Vous avez choisi l'article 86, est-ce qu'il y a une raison spécifique pour ça dans votre mouvement? Ou pourquoi pas une autre disposition? L'article 86 est simple, et donc c'est pour ça qu'on l'a utilisé en fait. Il y aurait eu d'autres options? Faire des conversions d'actions, l'article 51. Mais évidemment, l'article 86, on est familier avec ça, et puis ça fonctionne très bien. L'article 51 serait pas plus simple que 86? Ben, en fait, étant donné que monsieur Legary prenait, dans le fond, voulait faire échanger, dans le fond, 100% la totalité de ses actions, c'est pour ça qu'on a opté pour le remaniement de capital, parce qu'en fait, l'article 51, c'est pour les biens convertibles, mais on l'utilise plus, supposons, s'il avait voulu disposer seulement d'une portion de ses actions seulement. Puis 86 a priorité aussi sur 51, donc nous, étant donné qu'on y enlevait toutes ses actions ordinaires, on va procéder avec 86. Les nouvelles actions n'existent pas encore dans le capital d'action. Non. Ben, en fait, avec l'article 86, là, ça, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, là, ça va être important de faire un changement des statuts de modification pour que ça soit approuvé par tous les actionnaires. Petite question au niveau, je voyais que ça s'en venait, mais au niveau de ma conjointe, là, en ce moment, j'ai plusieurs revenus, j'ai 150 000 de salaire, j'ai le revenu locatif. Là, à cause des règles d'attribution, je vais me faire attribuer encore plus de revenus. Est-ce qu'il y aurait un moyen que ma conjointe, je puisse. Premièrement. Tu fais un don d'argent chaque année, je sais pas. Pas un don d'argent, mais comme elle pourrait participer un peu à l'entreprise et verser un salaire raisonnable, probablement, ça va lui permettre de cotiser à céréales. De plus, on n'a pas l'information sur vos cotisations utilisées, mais c'est possible aussi de cotiser dans les rêves de votre conjointe afin, en fait, de fractionner le revenu de retraite. Puis rendu à la retraite, ça va nous faire plaisir aussi de vous aider. Là, en fait, il y a des bonifications qu'on peut faire, soit fractionner le revenu de retraite jusqu'à 2 000 $, un crédit qui s'applique. Puis, donc c'est ça, c'est ça, c'est dans le futur. Mais... Puis aussi, via la fiducie, c'est sûr que ça va être possible de verser des dividendes en même la compagnie, en fait. Là. C'est vous qui allez décider ça. Puis, c'est ça. C'est juste que si on veut, supposons, côté REER, comme Simon en parlait, un dividende, là, ça ne crée pas les droits de cotisation au REER. Parce qu'il y a une autre option aussi, le dividende via la fiducie. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y aurait un moyen avec un transfert à la fiducie de cristalliser ma déduction pour qu'il y ait un capital en convertissant les actions de transfert par la fiducie? En fait, en outil dans l'article 86, c'était. Vous savez, on ne peut pas cristalliser, en fait. Il n'y avait pas de moyen autrement. Non, en fait, si c'est qu'on peut recevoir une contrepartie au camp d'argent en usant l'article 86. Et dans ce cas-là, il y a un dividende réputé là, qui s'applique si on excède un certain montant. Donc, Est-ce que j'aurais pu prendre un autre article pour cristalliser la déduction? Dans la situation actuelle. Pas le 51, pas le 86. Puis. Si on fait un roulement, l'article 84.1 s'applique aussi si on fait une société de gestion. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas prendre l'article 85. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai le temps pour vous donner? Oui. Mais mettons mes bouteilles de vin, moi j'adore le vin. mais mettons qu'ils ne sont plus bonnes et que ta barouette perd de la valeur, y a-t-il quelque chose que ça carré? En fait, pour ce qui est des gains capitaux sur les.
des meubles déterminés, ça joue d'une collection. Il y a un prix minimum qui est de 1 000 $, par exemple, vous vendez votre collection. Donc, si vous l'achetez pour 1 000 $, vous les vendez 200 $, évidemment, ça ne sera pas déductible. Ça va perdre en capital. Il faudrait que ce soit l'excédent de 1 000 $. Merci.